Bonsoir, bonjour les petits humains, nous sommes dans cette seconde vidéo de Jack et Dexter et aujourd'hui du coup on va continuer. En fait, on continue le jeu directement, mais j'ai oublié de préciser un petit détail que j'avais pas dit directement dans le dans la première vidéo directement, alors que techniquement c'est un truc que j'aurais dû dire dès le début, je suis. Mais toi tais-toi. En fait, le jeu va être fait à 100%, c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire toute la totalité des choses, c'est-à-dire les trucs qu'on ramasse depuis le début, ça, je vais toutes les récupérer, toutes les piles d'énergie qui vient de dévorer. Ce pélican vient de piquer une pile d'énergie. Allons lui botter les fesses. Oui, donc tout ça, on va toutes les récupérer de tout le jeu, c'est-à-dire que ça sera un jeu fait. Ces boîtes de métal sont plus dures qu'un crâne de Jacob, mais on doit pouvoir les ouvrir avec quelque. Je lui ai totalement coupé la parole. C'est moi, il y a un truc qui vole. Là, juste là. Ah non, non, j'avais bien raison. Il y avait bien quelque chose qui était en train de voler. Et du coup, Daxter ne terminera jamais sa phrase, je suppose. C'est pas plus mal des fois. Non, parce qu'en fait, il y a un truc. Il y a un petit truc. J'ai vu dans les options, on peut désactiver le fait qu'il parle pendant. Que Daxter parle pendant le. Pendant qu'on marche, mais. Pour nous donner quelques infos. Honnêtement, ça sert à rien, mais ça rend le truc un petit peu plus vivant, j'ai l'impression, en fait. Ça rend le jeu plus vivant directement. Donc autant le laisser, c'est pas trop dérangeant, je suppose. Mais non, mais je veux pas. Non, oula. Tu te calmes, Jimmy, s'il te plaît. Ah purée. Non, mais ce jeu, c'est comment dire, c'est directement, en fait, c'est le. Je crois que c'est le premier jeu que j'ai joué sur PS2 directement. J'ai pas d'autres souvenirs de d'autres jeux sur Play 2. J'en ai pas d'autres directement. Très honnêtement, j'en ai pas d'autres. Mis à part ça. Ouais, non, non. C'était plus des jeux PS1 que j'avais directement que je jouais sur la Play 2, je suppose. Mais bon. Oh purée, mais c'est face d'or. Je l'ai fait. Mais. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, mais qui ont déjà joué au jeu et qui veulent rejouer sans avoir Daxter qui hurle toute la longueur de journée, du coup, c'est une option qui peut être retirée, je suppose. Enfin, c'est même pas, je suppose, c'est dans les options, c'est. Je crois que c'est sonore. Non, non, c'est pas sonore. C'est dans options de jeu, je crois que c'est les astuces, oui. Mais moi personnellement, ça me sert pas, mais ça rend juste le truc plus. Plus complet, je suppose. Pour les échanger contre une pile d'énergie. Revenons faire le truc. Ça rend le jeu plus vivant. Déjà que le héros ne parle pas dans ce jeu, je suppose. Bon, après, ça c'est. Généralement, quand le personnage ne parle pas directement, c'est plus pour. Quand il est muet, c'est plus directement pour que le personnage soit. Enfin, pour que le. Non, mais. C'est bon. Pour que le joueur s'identifie plus au personnage. Après, du coup, à partir du moment où il commence à parler, il peut plus s'identifier à lui directement. Je suppose. D'accord, il s'est fait taper, il fait. Attends, est-ce que je me suis fait taper? Bon. Ah oui, c'était par là. Ça doit faire un bon moment que j'ai pas joué en même temps à ce jeu directement. En même temps, j'avais pas me gâcher les quelques surprises en abandonnant le. Enfin, voilà, en recommençant le jeu directement. Ça aurait été dommage sur le moment, je suppose, parce que. Je préfère le redécouvrir et vous. D'accord, je suppose, c'était cruel. SOS animaux maltraités, je suppose. Voilà, et donc tout le jeu, en fait, ça sera des petites missions comme ça. En gros, c'est un petit peu comme. À quel jeu je peux comparer? Je dirais Super Mario 64, en fait. Il y a le site en un petit peu plus open world, je dirais. Non, c'est pas vraiment un open world, mais c'est une façon d'expliquer, je suppose. Au fait, si ça ne marche pas,
Daxter pourra toujours travailler comme des ratiseurs au village. Yep. Est-ce que je vais réussir à passer... Non, non, c'est bon, c'est mort, je suppose. J'ai déjà essayé de réussir à passer là-bas directement comme ça, mais bon, c'est pas grave. Bon. D'ailleurs, ce qu'il vient de dire, du coup, le vieux vert... Oui, mais c'est bon, je sais, laisse-moi parler d'abord. Du coup, ça fait un petit peu une référence à un spin-off directement, un spin-off qui est bien fichu d'ailleurs, étant donné que c'était pas l'équipe, la même équipe des Jak et Daxter, parce qu'il me semble... Alors, si je dis pas de bêtises, du coup, il y a eu 5 jeux de Jak et Daxter. Il y a eu les 3 premiers directement, en fait, les 3 principaux. Et après, il y a eu un jeu de course. Et un autre c'était un jeu où on jouait juste Daxter, qui était juste un jeu qui se passe entre le premier et le second. Et un autre, c'est un jeu pourri apparemment. J'y ai pas joué, mais apparemment il est très mauvais. Alors j'ai juste vu qu'ils ont changé les comédiens. Alors du coup, moi j'ai fait non, j'y joue pas. Attendez, ils ont changé la... Bon. Ah d'accord, on peut redescendre les trucs. D'accord, en fait, donc j'espère que j'aurai pas besoin de... Oh mais purée, non mais c'est pas possible. Vous allez pas me dire que je suis obligé de... Non, c'est bon. De toute façon, si j'aurais pas pu, j'aurais quand même forcé. Hein. Hey, des mouettes. Allons les chasser pour voir. Vive les mouettes. Oula, ok, d'accord, je suppose. C'était une réaction, comment dire, je ne sais pas, voilà. Ok, mais oui, déjà que les comédiens, pour les voix françaises, en tout cas déjà pour Daxter, je me souviens, j'avais fait un stream à un moment donné sur Daxter pour essayer, ça buguait à mort, et la plupart des personnes trouvaient la voix de Daxter horrible. Enfin, il la trouvait pas horrible, mais il trouvait le personnage énervant. Moi, j'ai toujours trouvé attachant ce personnage, personnellement. Preuve, du coup, j'ai mis un peu le même caractère à Luma Bleu, du coup. Mais oui, comment dire, c'est... Très personnellement, oui, c'est un personnage qui on s'y attache bien au bout d'un moment, je suppose. Bon, après, moi, c'est un jeu... c'est des jeux que je joue depuis tout petit, donc forcément, c'est normal que voilà. Hop là. D'ailleurs, quand j'étais petit, pendant des années, j'ai cru qu'il tapait avec Daxter. Et en fait, non, c'est un coup de pied au final. C'est juste qu'il tourne autour, là, en boucle, je suppose. Oula. Ah non, mais faut pas croire, hein, les mouettes, c'est démoniaque. Hein. On se souvient tous de cette vidéo avec une mouette qui fait un rire démoniaque. Je suis sûr, c'est les mêmes mouettes. J'en suis sûr. Purée. Alors, il y a pas mal de missions du coup à faire, mais la plupart du temps, en fait, des fois, souvent, enfin, je pense que je vais jouer comme je joue normalement, directement. Mais souvent, il y aura des missions qui vont même pas demander, en fait, enfin, que les gens, que les personnages ne nous auront même pas encore demandé, mais que je vais faire directement. Alors, du coup. C'est ce que je suis en train de faire là actuellement, je suis en train de faire une mission qu'on est censé nous demander. Mais que je suis pas en train de faire parce que... YOLO, je suppose. Là chez moi quand même. Par contre, est-ce que j'ai récupéré la mouche là-bas? Je sais pas si j'ai récupéré. Non. Ah oui, non, c'est bon, c'était la dernière. Du coup, elle a laissé une pile d'énergie, je suppose. Voilà. On allait partir sans quand même. Bien joué! Tu as trouvé toutes les mécamouches de cette zone. Bon, ça c'est fait, je suppose. Du coup, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a pas 8 étoiles dans Mario 64. On se retrouve près de l'œuf. Voilà, en fait, elle nous demandait de récupérer un œuf ou un truc du genre.
C'est... Comment dire? Mourir comme ça, c'est... Non. Je sais pas comment j'ai fait mon compte sur le moment, mais... Je... Je m'attendais pas à mourir aussi bêtement pour comme première mort dans ce truc. Ok, d'accord. Je... En fait, je pense que... C'était pas prévu, peut-être, de mourir. Mon Dieu! J'espère que le petit va bien. Vous méritez cette pile d'énergie. Ah non! Non, 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 non! Oh! Comme c'est mignon! Il croit voir sa maman. Sa maman? Je ne suis pas ta mère! Tu vois des plumes, oh, là? C'est le coup de foudre. Oh! Écoutez, mes garçons. Je vais emmener ce petit poussin au village et m'arranger avec le sage pour en prendre soin. Tu vois des plumes là? Bon, alors pour le moment, je pense qu'on n'a plus rien à faire ici en fait directement. Si, il en reste une, mais il me semble que la pile d'énergie elle est tout en haut là-bas et on peut pas y aller maintenant parce qu'il faut aller dans la forêt comme on nous l'avait dit dans la dernière vidéo, je suppose. Donc on peut directement aller au village, je suppose. Mais toi, lâche-moi, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Ce manque de respect en 2017. Putain, mais ce jeu, il a presque 20 ans quand j'y pense. Il doit avoir une quinzaine d'années. Peut-être, je sais plus. Faudrait que je vérifie. Wikipédia, s'il te plaît. Purée. Où est-ce qu'il peut y en avoir des mechas? Je pense qu'il y en a... Oh oui, oui, c'est bon, il y en a une ici. Voilà. Après, normalement, il nous demande... Il y a des gens qui nous demandent, là, monsieur, là. Non, oui, mais non, on va aller voir plus tard, parce que... Je pense qu'on va déjà récupérer le plus d'orbes possible, là, avant d'essayer de les échanger. Comme ça, on les échange tout d'un coup, quoi, directement. Je pense que c'était ici que la dame avec l'oiseau, elle demandait normalement, peut-être, je suppose. C'est un peu facile là ce que vous demandez. Bon après c'est le début du jeu, faut pas trop en demander là. Faut pas trop que j'en demande non plus quand même. On mince mais je peux faire... Oui, ah déjà 11. Bon après comme je l'ai dit... Comme j'ai dit, voilà. Il faudrait assez Yako. Ok. Oh, c'est toi. J'ai reposé juste mes vieux os. J'ai essayé de faire rentrer ces vaches toute la journée dans leur enclos. De drôles de créatures ont tenté de me les voler. Pour aider un vieil homme en les ramenant dans leur enclos. Pour les ramener, il n'y a pas de 36 000 façons et c'est pas très vegan, a priori, je suppose. Hop, voilà, bon, il suffit de les frapper, voilà, c'est cruel. Appeler une association pour les animaux contre la violence animale. C'est d'une telle violence, attention. Mais tu reviens ? Rentre, voilà, c'est bon. Les pauvres quand même. Ils ont rien demandé. Enfin si. Oh, j'ai envie d'essayer un truc. Non mais. Je vais essayer de le ramener en étant juste sur le dos. Voilà. Non c'est trop compliqué. Vas-y. Hop. C'est bon. Sauf qu'en plus il n'y a même pas besoin de les frapper 10 000 fois. En plus il y a juste besoin de les faire comme ça. Mais bon je sais pas. C'est un réflexe de les frapper 10 000 fois du coup. Ben... On a juste envie qu'ils aillent plus vite, alors forcément, bah, on les tape en boucle. Oups, pardon, je lui ai mis un coup de boule, le pauvre. Il a rien demandé, il était juste en train de manger, moi, boum. Je suppose. Je... Bon, par contre, j'ai juste vu une boîte en haut. J'aimerais juste la récupérer maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'aller directement là-bas? Non, je suppose pas. Oh, si, on va y aller. Hop. Ouais, mais on ira plus tard. Il y a déjà des... Ah, mais il y a une méca. Ah, mais j'ai oublié de sauter, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un bouton de saut sur... C'est beau qui... À quoi sert ce bouton croix?
D'ailleurs, je me suis toujours demandé si on disait croix ou X, parce que dans certains jeux ils disent croix, mais dans d'autres jeux ils disent X. Du coup, j'ai jamais vraiment su. Des questions simples, tellement de questions. Vous allez voir, à un moment donné, il y aura ça comme sujet de philosophie au bac, je suppose. Ok, alors, dites-moi, pourquoi y a-t-il des changements de nom pour cette touche? Vous avez 4 heures. Ce feignant de fermier nous doit une pile d'énergie. Allons lui parler. D'accord, j'avais cru entendre mon chat miauler. Mais d'abord, on va prendre ça. Et voilà. Oh. Nickel, je suppose. Par contre, il y a un truc que j'espère pas. Bon, de toute façon, si cette vidéo, si vous voyez cette vidéo, je pense que j'ai pas besoin de me poser la question directement parce que de toute façon, bien joué, voilà. Petit gars. Tu as réussi à ramener ces sacs à puces. Je vais dormir tranquille. Prends cette pile d'énergie pour tes efforts. Il se repose des yeux. Il se repose des yeux, c'est tout. Voilà. Bon. Ben, on avance déjà bien, je suppose. On a déjà fait 10% du jeu, je crois. Il n'y a qu'un seul moyen de vérifier ça. Sauvegarder une partie. Ouais, on est à 13% du jeu. Écraser, oui, je suppose. Voilà. Bon, en tout cas, c'est sur ce qu'on va se laisser sur cette vidéo. Alors, sur ce, moi, je vous dis bye tout le monde. Et portez-vous bien, les petits humains.